Bienvenue sur Wisecat, dans cette vidéo on va voir comment utiliser la pipette dans PowerPoint. Ok, donc on va commencer par insérer une image. Donc insertion, image. Je vais prendre celle-là. Ok, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais insérer un Smart Art. Donc on va prendre ça, ce sera pas mal. Ok. Donc je vais juste remplir le texte. Voilà. Et maintenant je vais récupérer des couleurs qui sont dans cette image et je vais les mettre dans ma Smart Art. On va faire un petit zoom sur l'image. On va la sélectionner et on va aller chercher nos couleurs. Donc pour ça on va aller dans remplissage. Pipette et on va chercher la couleur qui nous plaît. Donc moi j'aime bien ce vert par exemple et j'aime bien, alors je fais un nouveau remplissage, pipette, j'aime bien ce violet. Ok, maintenant si je vais dans remplissage et dans couleurs utilisées récemment, je vois que j'ai mon violet et mon vert que j'ai pris avec ma pipette. Maintenant on va colorier notre Smart Art, donc je vais me positionner dessus, je fais clic droit, format de la forme et je vais faire un remplissage dégradé avec les deux couleurs que j'ai prises avant. Donc ici point de dégradé, je vais venir sélectionner ma couleur, donc je vais prendre ici par exemple mon vert et le deuxième point je vais prendre mon violet, donc voilà ce que j'ai. Je peux changer de type de dégradé. Bon, moi j'aime bien celui-là, mais on pourrait prendre par exemple un type linéaire. Donc on arriverait à ça. On peut encore changer l'orientation. Donc on arriverait à ça. Ou inversement, on pourrait faire le vert en bas et le violet en haut. On arriverait à ça. Bon, moi j'aimais bien le radial. Et celui-là me plaisait bien. Ok. Maintenant on va s'occuper de nos petits points ici, donc je vais en sélectionner un et ici on va prendre une seule couleur, donc pour ça on va à nouveau faire notre pipette et on va dire que je veux le rouge de qui est ici, donc voilà, donc là j'ai tout de suite le rouge. Pour notre deuxième point on va prendre une autre couleur pour l'exemple, on va prendre le vert ici du Joker. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Et une troisième couleur, on va prendre à nouveau avec la pipette. Qu'est-ce qu'on va prendre? Du noir, allez. Voilà. Maintenant, on va peut-être atténuer un peu les couleurs. Donc, je vais aller sur un point, par exemple, et je vais régler la transparence. Donc, si je vais ici à une transparence de 40, disons, la couleur devient un peu plus fade. Ici, sur ce vert, voilà, et sur le noir aussi, voilà, donc j'ai une espèce de gris. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que vous allez devenir des cracks de PowerPoint, et je vous dis à bientôt pour la suite.